Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Bon, dans 7 minutes, on va commencer. Ce matin, on va faire la pointe de Sazilé à la découverte de faune et flore. Qui a déjà fait Sazilé? Personne. Tu as déjà fait? Tu avais remarqué quoi sur les cailloux? Ouais. Particularité des Sazilé, le GR, on va voir des dessins des tortues. Rouge, vert et jaune. Le GR, c'est quand on est dans la forêt, on voit des couleurs soit sur les arbres, tu as déjà remarqué? Soit sur les arbres, couleurs blanches et rouges. D'accord? Du coup, ce matin, on va voir l'histoire des Sazilé, la richesse des Sazilé, faune et flore. Et on va voir les traces des gens, parce qu'avant, il y a des gens qui habitaient à Sazilé. On va voir le Pada de Sazilé. Et à midi, on va s'arrêter à la plage Angalatara. Là, on a amené des raquettes badminton, volley beach volley. Et j'ai amené des hamacs pour les cadres. Comme ça, on va être là pendant 3h, 3h30, baignade, manger. Après, on rentre, on revient à Mutamudu vers 15h45, 16h. D'accord? Du coup, pendant la randonnée, il ne faut pas hésiter de boire. Si on voit qu'il y a une qui a des problèmes, il ne faut pas hésiter d'appeler le coach ou de m'appeler, d'accord? On va aller doucement, c'est pas chronométré et ça va bien se passer. On a de la chance aujourd'hui, il n'y a pas du tout de soleil, d'accord? Bon, on y va? Ok, c'est parti. Vas-y, je te fie. Vas-y, coach. Vas-y, coach. Bonjour, coach Huizra. Bonjour. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, on va à la pointe Sazilé pour la découverte de la, flore, de la faune et la flore. Vous êtes à quelle catégorie aujourd'hui? Avec les... Oui, c'est moi. Avec les U11. Les U11 et les U13? Oui. Le groupe, il se porte comment? Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien, vous avez un groupe de... Sympa. Pour l'instant, c'est le début de la journée. Pour l'instant, à part la sorcière. À part la sorcière. Avec les quatre, Ah, on va pas la montrer sur la vidéo parce qu'on la reconnaît tous. Oui. Elle est là. Allez, bon, bon, c'est bon, bonne journée, les filles. Direction la Malavouni. Là, on va parler des baobabs. On a déjà vu la dernière fois qu'on a fait les crêtes de Bandélé. À Mayotte, on a combien d'endémiques? Baobab. Deux, bravo. Voilà. On a le. C'est quoi et quoi le nom? Le baobab de Madagascar, ouais. Ambosonia madagascarien. Voilà, les fleurs sont jaunes orangées. Il est beaucoup représenté au nord de l'île. Et le deuxième, celui qui est vraiment représenté ici à Sazilé. Le baobab africain. Le baobab africain Ambosonia dit Digitata. Voilà, les fleurs sont comme celui-là, c'est Ambosonia Digitata. Les fleurs couleur blanche. Allez, allez, allez! Courage, courage! Ça va, Darina? Arrête! Sécurité! En personne. Oui, Shaina. Ça, c'est des prunes de Madagascar. Oui. Après, ça se mange. Je pense que c'est vraiment... Alors, vas-y, on te laisse goûter. C'est délicieux. Il en mange.
c'est trop bon. Ok, merci. Et oui, en ce moment, on est en pleine saison des pluies. Ouais, ils sont derrière. Ça va, Iria? Oui. Bonne journée, ça commence bien? Oui. Bon, profite. Merci. Rania, comment se passe cette journée? Bien. Très bien. Tu es où ici? Tu es où ici? Et bon. Il est tombé du tamarin. Ah bon, il est où? Ah, c'est très bon le tamarin. Oui. Ah, tu manges toute seule? Tu partages pas? Moi aussi. Et moi, tu m'as pas partagé? Tiens. Oh, merci. Marahaba. Attention, ça glisse et on est filmé. Doucement, ça glisse et on est filmé. Mac, tu fais quoi ici? Tu connais l'histoire de Hilo Sable Blanc? Pas moi. Vas-y, Delia. Il y avait un roi on écoute, et sa fille. Uh-huh. Après, pour le cortège, uh-huh, ils lançaient des grains de riz. Uh-huh. Après, c'était pas bien de gaspiller la nourriture. Après, ça s'est transformé en sable blanc. D'accord. On a bien écouté? Allez, Shaina. Je suis arrivée la première. Félicitations. Attendez, là derrière moi. Là, tu filmes juste pour voir s'il y a des gens qui tombent. Non. C'est pour montrer que vous êtes des bons cascadeurs. Mmh. Voilà. Vas-y, Delia. Oh, ne t'inquiète pas, je ne vais pas tomber. Ah, non, c'est vrai. Oui, Naïcha. On reste concentré. Thank you. Même pas fermé. Pas grave. Enfin, on arrive à la mangrove. 2 heures de marche. Vous voyez l'état de nos chaussures, hein, avec les fortes pluies. Donc, on arrive à la mosquée de Sazilé. Tu peux mettre des fleurs sur les oreilles, il y en a là-bas. Des fleurs devant. Ah, c'est la mosquée. C'est Ribou la mosquée. Voilà, petite mosquée. Regarde par terre là. Non, stop. On a un frangipanier ici. Regarde, par terre il y a des fleurs. On ne saura pas dire s'il est blanc ou rouge parce qu'il n'y aurait pas de fleurs. Voilà, il y a déjà là-bas. Il est blanc? Voilà. Les enfants, venez ici. On va aller par là. Namougé. Là, il y a des fleurs, là, des jolies fleurs. Là, regarde ma fleur. Là, il y a des jolies fleurs, là. Ceux qui veulent mettre des fleurs. Montrez-moi les fleurs. Comme ça. Allez-y, mettez-les pour voir ce que ça fait. Ça fait ça. Et la date. Fais voir, Ria. Et voilà. Bah. Il y a quoi comme animaux ici? Sirène de mango. Ce qu'elle vous a dit, tous les animaux, mais vous savez les animaux qu'on peut trouver? Les tortues. Oui, les tortues. Les poissons. Les baleines. Les dauphins. Les grenouilles. Les dauphins. Les dauphins, on voit ici. Ouais, hier matin, on en a vu. Uniquement les ailerons. Mais... Les requins. Les œufs des tortues. Les requins, il y a des petits requins pas noirs, donc comme ça. Sur le bord, là-bas, quelquefois. C'est normal. Les œufs des tortues? Les œufs des tortues, oui. Les bébés tortues? Oui, bébés, oui. Quoi?
Et puis des petits serpents, des petits lézards. Bon, les serpents, ça a pas l'air de mais ils sont très gentils. Maïra, Maïra, des quoi? Des serpents? Ça fait du bien après l'effort, hein? Après l'effort, le réconfort. Après l'effort, il faut aller se nager. Ah, j'ai retrouvé le sourire là. Voilà, on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est les Padas. Les Padas de Sazilé. Regardez, la plage là, on va s'arrêter en Galatara. C'est à côté de les Padas. Et là, j'ai dit qu'on va passer derrière la nuque de la tête de le crocodile. Non, le crocodile a bien suivi. Voilà, on va pas traverser tout le long de la tête de crocodile, mais on va passer sur la nuque. Et là, on est où là sur ton dessin? Ah, là on est à Sazilé, la plage de Sazilé. C'est la grande plage de Sazilé. Là on est là. C'est-à-dire tout à l'heure on a su quelle couleur? Vert. Voilà. Donc maintenant vous avez tout ce qui reste à faire? Voilà, t'as bien fait coach de poser la question. Donc on est là. Et je t'avais dit qu'il y avait nous on dit la plage de Sazilé. Montre le chemin qui nous reste s'il te plaît. On va passer comme ça. On va passer comme oh ça. Oh Seigneur! Non, non, non. Et là, regardez. À chaque plage, il y a des plages ici. On va s'arrêter. Il y a un, deux, troisième plage. Après, on va aller direct au Padla. Et c'est pas loin de. Et après, on retourne à Msamoudou. Regardez où c'est. Tout le chemin qui reste. On est presque arrivé? Non, non. C'est loin là-bas. On attend bien tous les gens. Comment ça va? Vous êtes à la plage? Ah. Vous avez été vous baigner? Camélia Adélia, interview. Question pour une championne, on va voir qui c'est qui trouve en premier les réponses. Quel est le plus grand arbre à Mayotte? Baobab. Un point. Hey. Quel est le sommet de Mayotte? Sazilé. Non. Tchungi. Non. Benara. Deux points. Qui est le Shonga de Mayotte? Julien. Regarde, regarde. Regarde, t'as vu la main? Sophie Adélia? C'est elle. Bon, en tout cas, est-ce que ça se passe bien la journée? Non. Non? T'es fatiguée, Camilla? Oui. Mais bon, ça fait du bien. Vous mangez quoi? Bouillou. Des bouillous? Des fruits de baobab. Tu coloré. Me les montres pour la vidéo? Mais c'est coloré. C'est coloré. Tout le monde mange ça en cachette, là? Oui. Et vous partagez pas? Non. Un. Ewa! Ewa! Ça se promène, hein? On profite! Vous avez raison, profitez, profitez! Eh oui, des beaux sourires. Même pas fatigué, Zahirine. C'est quoi? Tu me montres, Delia? Tu nous expliques? Comment? Houbou. Ah, ça se mange? Oui. C'est très bon? C'est quoi? C'est bon? C'est ah, non, c'est pas amer, c'est... Non! Amer? C'est l'oignongo. Bah, c'est amer. Oui, c'est amer. Amer, ok. Allez, on... Allez, vas-y. Baisse-toi, voilà. Voilà, baisse-toi. Vas-y, vite. Baisse. Voilà. Yeah. Et voilà. Elle a fait, elle a touché le... Voilà, bah, attends comme ça, tu vas voir. Allez. Va voir ta sœur. Ça va aller. C'est bon, ne touche pas le truc, c'est ce qu'elle a fait. Son sac, ça a touché le truc. Vas-y, Encore. Attention aux abeilles. C'est Namibia, vous ça, on se soutient.
Sheina. Alors Sheina, tu peux nous raconter un peu? Bah ici on est sur le truc du crocodile. Oui. Et là-bas, on voit le sable jaune parce que pas loin c'est l'îlot sable blanc. Donc on voit l'îlot sablement là-bas. Oui. Après il y a aussi on est pas très loin. Le panneau qui nous indique où c'est notre direction. Et nous, notre direction c'est celle-là. Il nous reste 4,2 km. C'est beaucoup ou... Ça te paraît beaucoup ou ça va aller? Ça va aller. Bon. J'ai aussi ce code-là. Ok, super. Oh! Arrêtez vos bêtises. Oui, on vous écoute. Allez, on vous écoute, venez. À la tête du crocodile. Et à la tête du crocodile, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Allez, Mlamo! Allez, Mlamo! Tu vas dormir. Alhamdoulilah. Sur la mac. On va mettre là. On va faire la tête du crocodile. Ok. On va aller voir le crocodile. Après, à 17h, nous partons. Ok. En tout cas, ça se passe bien cette journée? Oui. Ben, c'est bien, profitez. Un tout petit peu parce qu'on ne se baigne pas. Ok. Demain, on pourra se baigner. Inch'Allah. On pourra parce que c'est la plage là-bas. Shaina! Shaina! Tu baignes? Tu sais? Tu veux que je te dise une chose, Shaina? Tu sais ce que tu as fait juste avant de me tomber? J'ai vu quoi? Par ton coach? Et qu'est-ce qui est arrivé? On dit qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur moi. Il fait soif? Hein? Il y a plein de bigorneaux. On a même pas la manger. Sérieux? Il nous reste combien de kilomètres là? On est au Cambodge ou quoi là? Hein? Cambodge? On est au désert. On arrive au désert, tellement on fait. Le désert de Dubaï. Allez, allez. Rien, honneur, hein. Vas-y. Bon, j'y viens. Alors. Allez, rien. Vous savez où on est ici? Les plazas de Sazilé. Bon, Shaina, on est où ici? Dans les plazas de Sazilé. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'ici? On peut voir l'îlot sable blanc. Oui, et tout au fond. On voit un peu la barrière de corail. Ouais. Ici, c'est les plazas de Sazilé. En français, on va dire un endroit où on ne peut pas planter d'arbres, rien du tout. C'est un endroit où on ne peut pas planter. Ok, bon, c'est une belle découverte. Oui. Bon, et voilà notre belle île, hein, l'île de Mayotte. Regardez, là on voit le reste du groupe, on va aller le rejoindre. Oui. Allez, vas-y, je te laisse le rejoindre. Attention dans la descente. Et sur les appuis, hein. On les enlèvera là-bas.
Sabina. Alors, arrête-toi deux secondes, s'il te plaît. Alors, Sabina, cette journée, tu la trouves comment? T'amuses? T'apprends des choses? Tu découvres? T'étais déjà venue ici, sur ton île? Bon, ben, profite bien, alors. Allez, bonne journée à toi. Alors, tu as vu quoi, ce matin? J'ai vu des baobabs, des pommes cannelle et plein d'autres choses. Ok, plein de faune et flore? Oui. Bon, t'as pas vu une baleine? Non. Bon, tant pis. Bonjour, notre ami le crabe. Bonjour, Cabinos. Tu bouges? Hé, hey, tu te sauves? Vas-y. Ouais. C'est qui Romain? Ah, elle l'a la main droite. Regarde. Vous avez joué dans le sable? Oui. On des enfants. Et c'était bien? Oui. Ah, le temps que je dorme, la plage allait monter là, la mer? Oui. On peut se baigner. Non, non, on peut pas se baigner. Déjà là, vous êtes déjà trop mouillé pour moi. Faites attention parce qu'on va repartir là bientôt. Et vous êtes sec. Faut être sec. Faut toujours prendre ses déchets. Ouais. C'est très important. Je vais boire de l'eau. Zahirine, Maïra, Iria. Bonjour. Dariana, Shabina, Naïla, Rania, Delia, Aileen, Zarna et Naïcha, Melissa, Camilia, Nelia, Shaina, Anaïs, Ilana, et pour finir... Oui, je sais pas ce... J'aurais bien vu m'asseoir dessus. Sérieux, je ne sais par quel moyen, mais... Je crois qu'il est bien placé. La gadou. La gadou. Oh. On avance vite, pas au milieu. C'est pour ça qu'il faut faire ses lacets, sinon les baskets restent bloquées. Ah, mes baskets sont pleines de boue. Allez, courage. Oula, ça s'enfonce. Il y en a qui avaient lavé leurs cheveux de basket? Non, en fait c'était pour que les pieds, les barres. Courage. Maëra. Faites bien vos lacets. Sinon, ça va être comme Naïla, la basket va rester dans la boue. Ah, sa basket va rester dans la boue. Elle remonte un petit peu. Oh. Tu le fais bien, Wizra. Parfait, Wizra. Ah, il y en a qui se lèvent les pieds. Quand je regarde le basket. Eh ben, c'est ah oui. Une vraie princesse. Waouh, je les ai achetés comme ça. Donc, combien? Vous avez vu la poule là? Ouais, j'ai vu. Vous êtes des warriors. Ça va? Oui. Allez. Allez, la troisième. Super. Allez, on descend. Ouais, super. On fait attention aux appuis. Doucement. Voilà, super. Vas-y, Zahirine. Allez, Zahirine. Vas-y, passe tout doucement. Voilà, tu t'appuies.
Libéré, délivré. On est parti à 8h, on revient, il est 16h, ça va? 16h pile. Ça va, ouais. Ça va, vu qu'on a fait une longue pause depuis là, c'était tout fait. Ça va. On a même pas 1h30 de marche. Ça va, Naïs? Non. Donc aujourd'hui, on était dans une action du programme éducatif fédéral qui concernait quel thème? La flore. Alors dites-moi un petit peu ce que vous avez pu, ce que vous connaissez comme faune ou flore à Mayotte. Les poissons. Les étoiles de mer. Le monsieur qu'on a vu là-bas des naturalistes, il fait quoi? Coquillages. Dauphins. Ils protègent tous les animaux. Dans la forêt, il y a quoi d'autre? Quand on voit des toiles, on voit des toiles. Il y a des araignées. Des guêpes, oui. Les deux différents que tu disais tout à l'heure. Les baobabs. Il y a des baobabs. Il y a quoi d'autre comme arbre? Un arbre que vous connaissez maintenant? Palmier. Les fruits rouges, oui. Quoi d'autre comme fruits on a trouvé? Des conocono. Oui, les quoi d'autre? Et on était monté sur quoi? Les pommes cannelle. On est monté sur la plaza. Donc pensez que tout ça, ce qui est important, tout ça, c'est votre île. Et cette île, pour qu'elle continue à vivre, il faut que là, nettoyer. Oui, et là, protéger. Donc ça, c'est des actions qu'il va falloir faire tous les jours. On a un mauvais exemple derrière, regardez derrière les poubelles dans les taxis. S'il pleut, ça va partir où tous ces déchets? À la mer. Et après, qui c'est qui va manger les déchets? Les poissons. Et qui c'est qui va manger les poissons? Nous. Donc vous allez manger des déchets. Ben, bon appétit. Wow. Et au final, on dit qu'ils ont disparu électroniquement. Voilà. Bon, vous pouvez remercier Andy déjà. Merci. Mais il n'y a pas qu'Andy qu'on va remercier, on va remercier qui d'autre? Merci. Allô, on l'applaudit. On va remercier qui aussi? Allez, j'entends pas de bruit là. Hein. Mais il y avait encore d'autres personnes. Et le coach aussi. Julien. Non. Et moi aussi. Et il y avait d'autres personnes. Laïna. Et aussi, vous pouvez vous applaudir parce que vous avez fait une bonne action. Voilà, très bien. Voilà, maintenant... Mayotte qui? Voilà, très bien. Et n'oubliez pas, hein. Maintenant... Comme vous voulez protéger la nature, j'ai dit à vos parents de ne pas prendre de voiture parce qu'on rentre à pied. Écologie. Écologie. Il n'y a que 7 km. Ça va. 7 km, ça va. Écologie. Ah oui, c'est bien, on a fait 9 ou 7. 7, ça va, écologie. Oui.